Hey, salut toi! Tu aimes la merguez? 10,5 conseils pour un barbecue. C'est parti! Déjà, il faut choper du bois. Et là, t'as deux types de personnes. Les pros, comme ça. Oh! Hey, bonjour tout le monde. Je m'appelle Günther Apasala. Mon père était bûcheron. Mon grand-père était bûcheron. Ma mère était bûcheron. Ma copine est bûcheron. Alors en coupage de bois, je m'y connais. Vous voyez ce sang? C'est le sang de la bûche. C'est la bûche qui saigne. Et les autres? Par contre, quand il s'agit de faire le feu, on dirait que tout le monde est spécialiste. Je sais faire un barbecue, regarde. Tu prends le papier, tu le mets en boule et tu fais une cabane avec les petits bois comme ça. Mais n'importe quoi, regarde, tu prends du papier, tu fais un cône, tu mets de l'huile dedans. Surtout, ne pas lire les journaux avec lesquels t'allumes le barbecue. On a perdu la Coupe du Monde. Ah bah bravo. Bravo les Portugais. Surimi, c'est avec 2T. C'est génial, il y a le premier téléphone français qui va sortir. Wiko. Faut absolument que j'achète des actions. Et c'est là que tes études vont te servir. Et dire qu'il y en a qui disent que ça sert à rien. Le bac, c'est génial. Con. Il y a des mecs, on dirait qu'ils veulent rentabiliser. Ils font tout au barbecue. Hop là. Les spaghettis, ici. Mais vraiment tout. Tiens, c'est sec ça. Hop là. Allez. Mon visage! Désolé, hein! Faire gaffe au temps de cuisson! Qui c'est qui a remis du charbon sur le grill? Et il y en a d'autres, quand ils s'occupent du barbecue, dans leur tête, on dirait que c'est eux qui mettent l'ambiance à toute la soirée. Ils sont à Ibiza, les mecs! Yeah! Merguez up! Petit in the club! Sandwich. Ah, c'est bon ça. Toujours faire gaffe avec la dernière allumette. Bien choisir sa viande. Reviens. C'est ça qui fait le chat. Reviens Maxou, je te ferai aucun mal. Absol, c'est pas du tout ce que tu crois, ok? Faire gaffe à la fumée, car on dirait qu'elle fait exprès de te suivre, tu vois, dès que tu bouges. Really, nigga? Toujours rester éveillé. Ça sent bien. Et enfin, il y a des gens qui deviennent trop à l'aise avec les pinces des barbecues. Du coup, ils font tout avec. On dirait que c'est le prolongement de leurs bras, tu vois. Hey, ça va toi? Hey, samedi prochain. Et toi, c'est quoi ta technique pour un barbecue? Dis-le-moi dans les commentaires. Passons tout de suite au top commentaire. Dans les épisodes précédents. Alors pour passer dans le prochain top commentaire, mettez un commentaire original. Il ne se doutait de rien. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai demandé de mettre un commentaire original. Et c'est là où je vois que les gens qui regardent mes vidéos, bah on a le même humour. Il a essayé d'être drôle. Et si je dis écris le caca c'est délicieux, tu vas le faire aussi? Seul contre tous. Va-t-il se faire avoir encore une fois? La réponse tout de suite. Et voilà ce qui s'est passé dans les commentaires de la dernière vidéo. Ok, je me suis fait avoir une fois. Ok, je me suis fait avoir deux fois. Pas trois, mon gars, non. Là, t'écris rien du tout, ok? C'est chacun chez soi et les moutons sont bien gardés. Chacun derrière son petit clavier. On passe au commentaire. Il y a Quentin qui nous dit que pour son anniversaire, des voleurs sont venus chez lui et ils ont volé la voiture et le sac de sa mère.
Franchement, pour un anniversaire, c'est difficile de faire pire. Moi, un jour, j'ai uriné sur une fille du haut d'un arbre. Ah bah tu vois, ça aurait pu être pire. Il y a Guillaume qui nous dit de mettre ma vidéo précédente à la vitesse 0,5. Et apparemment, on dirait un gros bourré. Merci encore à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On est sur là. On va partir sur une belle année. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, c'est la vitesse normale. Hein. Ça, c'était moi dans mon état normal. En fait, j'enregistre les vidéos comme ça, et ensuite, je multiplie la vitesse par deux avant de publier. Da Silva Bonnet Nina Donnet. Déjà, ça veut rien dire ton pseudo. Elle nous raconte qu'on lui a fait une fête surprise, il y a quelqu'un qui a préparé un gâteau. Elle a trop clashé, elle a dit que le gâteau était dégueulasse. En fait, c'est sa tante qui avait préparé le gâteau. Et du coup, c'est trop gênant comme situation. C'est normal qu'il soit dégueulasse le gâteau, parce qu'un gâteau, c'est pas délicieux. On sait ce qui est délicieux. Et l'un de mes préférés, c'est Alexandre qui s'est pris une amende de 135 € parce qu'il m'a envoyé un snap d'anniversaire. Je suis un peu fier sur ce coup-là. Mec, tu sais ce qu'il te reste à faire. Achète l'album de MC Anti-Keuf. Si tu te fais arrêter en train de snapper, fuck les coffres, fuck les coffres. Si tu as un arbre dessus, tu te fais pisser, fuck les coffres, fuck les coffres. Moi, c'est MC Anti-Keuf. Yeah, yeah, yeah. Et je n'aime pas les coffres. Non, 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 non. Le caca, c'est délicieux. Tu es ma catin. Merci à vous tous pour le soutien. Merci encore à tous les messages d'anniversaire en retard que vous avez envoyés sur mon snap. N'hésitez pas à screener, voilà. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Et si t'as vraiment bien kiffé, là tu t'abonnes. Le mieux c'est la complète, hein. Like comme abonnement, allez on envoie ça. Comme un guerrier massif. Mentalité d'un Maasai, je sais d'où je viens comme Nas. À quand l'Africain sur Mars, hein? S'installe sur nos terres en masse, eux. Pompe le pétrole et l'or jusqu'à en finir milliardaire.